Vous avez entendu ça? Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce banc, nous sommes famille. Ah! On nous parle encore des bruits que t'as entendu passer par là, même au Maroc, nous ne comprenons pas. Certains disent que ce n'est pas l'aine qui fait ça. D'autres disent que c'est l'apocalypse parce qu'on entend ces bruits-là depuis le ciel. Moi, je comprends pas. Et c'est ce qui fait le buzz sur Internet. Un truc de ouf, à faire des bruits. Allons analyser ça au studio. Suivez-nous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et pas de cette vidéo. C'est comment la famille? C'est extraordinaire. Où avez-vous entendu la première fois cette affaire des sons, des trompettes, tout ça? Ah, c'était le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et quand on voit ça, c'est un truc de ouf. Ça reste tout de même un mystère. On voit un ange ici. Lui, son travail, c'est de sonner de la trompette. Et à chaque fois que c'est un son de la trompette, il y a des choses terribles qui se produisent sur la terre. Comme les gens ont lu la parole de Dieu, ils ont même peur. Ils pensent que c'est la fin du monde. Ou encore, c'est l'apocalypse, comme dans les films. Ah, est-ce qu'on se trouve vraiment dans les films? C'est parce que c'est de la blague. Regardez même ça. Voici le premier bruit qui a été entendu par un gars. Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que cette personne a tenté de rigoler avec nous? Est-ce que c'est un montage? Regardez très bien. Écoutez en même temps. Oh. Mais c'est quoi ça? Oh. Vous avez entendu ça? Écoutez encore. Oh. On attend quoi? On attend. Bon. Comme si le bruit vient depuis le ciel. Regardez bien le ciel là. Regardez bien le ciel. Ouais, le ciel. Maintenant, écoutez ça encore. Wow. Mais c'est quoi ça? Vous entendez ça? Bon, on attend. Bon. Ah! Comme si c'était même une trompette qui était en train de sonner. Et comme cette personne était en train de nous montrer cette chose, apparemment ça vient depuis le ciel, non? Selon ce qui a été montré. Et les gens sont en train de prendre ça au sérieux. Et c'est devenu un sujet de discussion sur Internet. Certains disent, ah, peut-être c'est la fin du monde, il faut se préparer. D'autres disent que, oh, c'est une mise en scène, on ne comprend pas. Si Dieu doit venir, est-ce que vous pensez qu'il va faire autant de bruit? Est-ce que les gens même lisent la parole de Dieu souvent? J'ai l'impression que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Et mes attentes qu'on vient sur les réseaux sociaux pour leur dire, ah, ceci est comme ça, et ils vont suivre, mon frère. Faut pas suivre ce qu'est sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de menteurs là-bas. La parole de Dieu est là pour détruire ce qui doit venir. Il faut commencer à lire avant que personne ne vienne te tromper. Parce que encore, ça, c'est une autre vidéo. Et tout de suite. Et vous entendez un gars qui était de crier, il appelle même son Dieu. Parce qu'il entendait un bruit bizarre. Est-ce que vous avez entendu ça? Écoutez encore. Nous allons entendre ça tout de suite. Écoutez. Il entend le bruit des baleines. Moi, c'est ce que moi, il me dit. Moi, il me dit que là, c'est le bruit des baleines. Il est là. Il est là. Soubagalala. Waouh. Il est venu ici, nous, quoi? Tu étais de rigoler avec nous? C'est le bruit des baleines? Ou bien, à proximité de la mer, là, souvent, ça peut arriver, non? Ou bien, je me trompe. Ou bien, c'est à moi ce que ça arrive souvent. Mais regardez-vous. Bon, ici, là, maintenant, dans cette vidéo, je ne suis pas seul. Il y a même des gens là. Et regardez bien, observez bien le comportement des gens. Est-ce que vous avez vu quelqu'un bouger? Est-ce que vous avez même vu quelqu'un bouger? Attendez, nous allons revenir en arrière. Regardez encore. On voit personne bouger, personne n'est agité, ni en train de trembler. Regardez,
Les gens sont tranquillement arrêtés là. Et il y a un bruit en fond sonore. Et on nous dit, Agadir, Maroc, le bruit vient de la mer. Mais le bruit vient de la mer, pourquoi on entend? On entend quand même personne bouger, on ne voit personne bouger. Ah, on ne voit même personne bouger. Ils sont arrêtés tranquillement, comme s'ils ils attendent même le midi même pour aller manger même. La nourriture préférée. Oui, quand même, les choses sont même visibles. Pourquoi les gens quand même viennent nous mentir même? Qu'est-ce que vous cherchez? Le buzz, ça dure juste une semaine. Au maximum un mois. Un truc de ouf. Regardez. Personne ne bouge. Personne n'a agité, mais les gens attendent des bruits, même ici. Ah, je sens le bruit des baleines. C'est le bruit des baleines. Mais ils ont dit, ah, c'est le bruit des baleines. Et les gens disent que non, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Ah, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Même, attendez, nous allons encore revoir la première vidéo là-même. Où cet homme était de faire comme si c'était Dieu lui-même. Il était de voir venir. Ah, un truc de ouf. Mais vous-même, regardez ça. Regardez, attendez, attendez, écoutez. Écoutez très bien, écoutez encore. Wow. Mais c'est quoi ça? En plus, je dis, mais c'est quoi ça? Pour lui, ce bruit-là vient du ciel. Bon, peut-être qu'il est à proximité de la mer aussi, on ne sait jamais. Peut-être qu'il est à proximité de la mer, il a entendu ça et déjà lui, pour lui, c'est la fin de la planète. La fin de la planète. Ah! Un truc de ouf. De l'apocalypse, Ah! Selon ce que nous, on a lu, là. En tout cas, à chaque fois que les anges de Dieu sont de des trompettes, il n'y a que des conneries, c'est moi qui se passe sur la terre. Mais ici, là, il n'y a rien. Il n'y a même rien. Les gens sont arrêtés calmement comme ça. Regardez, ils sont tranquillement arrêtés là, même en train de nous regarder. Peut-être qu'ils sont debout demander des invités à manger du hamburger. Ou du shawarma. Moi, je ne comprends pas. Regardez. C'est devenu viral un peu sur Internet, les gens en parlent. Et c'est ce qui fait le buzz ces temps-ci. J'étais à vous en parler depuis, mais bon, c'est Dieu qui permet tout. Aujourd'hui, c'est là. Regardez. Et réagissez vous-même. Et dites-moi, est-ce que c'est réellement le temps de la fin? Pour certaines personnes, c'est déjà midi ou même minuit. Et pour elles, Dieu arrive. Tu es sûr, Jésus arrive bientôt. Ça, c'est même clair. Avec tout ce à quoi on assiste dans ce monde, il faut même se préparer. Il faut être toujours prêt. Moi, c'est ce que moi je dis. Moi, je dis dans la vie, il faut être toujours prêt. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, attendez, vous voulez profiter de cette belle opportunité pour vous sanctifier, vous ranger votre vie et attendre que Dieu vienne. Ou bien, c'est ça, c'est à cause de ça, vous êtes. Tourmenter, me troubler. Si, c'est pour changer votre vie. Parce que vous pensez que Dieu, Jésus est venu en même temps. Et que c'est la fin. C'est bien. Faut pas, vous n'attendez pas ça pour changer votre vie. Chaque jour, il faut être prêt. Lis la parole de Dieu, prépare-toi. De la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais là, comme moi je regarde ça, moi, je pense qu'au pire des cas, ce sont les bruits des baleines ou des gros poissons qui vivent dans l'eau. Peut-être même qu'on ne sait même pas même qui sont ces poissons-là. C'est pourquoi on est même étonné d'entendre les voix ou les bruits. Peut-être même qu'ils sont en train de se donner rendez-vous là-bas pour aller manger après. Et puis nous, on entend ça sous forme de bruit immense. Peut-être aussi que c'est un grand poisson en détresse qui est juste en train de crier là-bas. En tout cas, là où les gens sont en train de voir du genre comme si c'est l'apocalypse, c'est la fin, moi je ne vois pas tout ça. Moi c'est ce que moi je pense. Hein. Toi, t'as ton idée, c'est pourquoi tu es libre. C'est la liberté d'expression ici. Si nous sommes en famille et nous sommes sur. Abonne-toi. Partage cette vidéo. Demande à tes amis.
de nous dire qu'est-ce que ça signifie ça. Hein, chacun a son mot à dire, de toute façon, nous sommes vivants, et puis nous nous trouvons sur la planète. Si tu ne parles pas, c'est comme on va même dire quoi. Peut-être que tu ne peux pas nous dire au revoir. Non, 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 non. Sois vivant, il faut être toujours vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et soyez pas pour la prochaine vidéo. Même ne manque pas de regarder la vidéo qui apparaît ici, et soyez prêts. On se parle, que Dieu bénisse ses frères et sœurs pour le soin de vous.